Alors on vient d'être débarqué du train. Bon alors on est à la Lyon-Part-Dieu là et puis on va aller donc à Marseille-Saint-Charles et puis dans 3 jours on ira à Paris. On est à Lyon, Olivier est en train d'acheter le guide du routard pour la province puisqu'on va à Marseille. Votre autorisation s'il vous plaît, nous avons les voyageurs quand raison d'un incident de signalisation. Bon alors on vient d'arriver à Marseille, on vient de déjeuner. Olivier a mangé sa petite bouillabaisse et donc là on va aller au Mucem qui est un musée sur la Méditerranée et les civilisations de la Méditerranée. Donc on sort du Mucem, je m'attendais à beaucoup plus d'archéologie et beaucoup moins d'art contemporain. Alors on est arrivé à l'appartement. Donc on est arrivé, le mec nous a dit, le propriétaire, enfin on suppose que c'est le propriétaire, nous a dit de faire attention de bien fermer les portes parce qu'il venait de se faire voler. Il nous a dit, ici c'est Marseille. Bon, bah voilà, nous y sommes. Donc là, bah du coup, on reste ici, hein, à l'appart. Allez, va voir Chafik. On va se faire livrer à manger pour ce soir et puis donc à demain pour randonner peut-être aux alentours de Marseille. Le vieux port. Oh merde, on va regarder. Bon, deuxième jour à Marseille, et puisque le mec nous a dit qu'il fallait faire attention à nos affaires, hein, qu'à Marseille, il y avait des vols, on va pas tomber dans les généralités, mais enfin bon, par précaution, on va cacher, hein, gentiment nos affaires. Hein, voilà.
Bon, alors on sort de la vieille charité, alors on n'a pas pu filmer à l'intérieur, hein, malheureusement. Alors l'exposition temporaire, on aurait pu s'en passer franchement. Mais l'exposition permanente est assez intéressante. Il y a pas mal de statuettes égyptiennes, alors une partie égyptienne et puis une partie plus Grèce classique, on va dire. Grèce et époque romaine. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là. C'est à faire de ce point de vue-là, mais l'exposition temporaire, franchement, on s'en serait bien passé. Bon, on va maintenant aller randonner dans les calanques. Mais alors, avant d'aller randonner, on va déjeuner sur le vieux port. Bon alors c'est parti pour la randonnée dans les calanques, à côté des cactus, en hiver. Bon, ma mère avait dit, désolé maman si tu passes par là, de mettre des chaussures de randonnée. Évidemment, je n'y ai pas pensé. Hein. Bah, c'est pas tellement qu'il fait froid, mais en fait c'est qu'il y a du vent, sinon il ferait presque chaud. Mais c'est assez étrange d'être à Marseille ou dans les environs de Marseille en hiver, alors qu'il fait relativement froid. Habituellement c'est plutôt l'été qu'on vient à Marseille. C'est vrai que c'est même bizarre d'avoir un marché de Noël à Marseille, ça m'a un petit peu surpris. Avec le vent, il fait quand même assez froid, du coup j'ai mis la capuche. On est à Marseille en capuche. Alors pour vous descendre, on vous demande de sauter dans le ravin. Voilà. La mer est quand même super agitée aujourd'hui, si bien qu'on ne pouvait même pas aller sur l'île du Frioul où il y a le château d'If, il n'y a pas de transfert.
Alors, on n'est ici que 2h30. Regardez-moi ce point de vue. C'est magnifique. Alors on vient d'être débarqué du train. Ils évacuent le train parce qu'il y a un colis abandonné. Donc on en a bien pour une heure, on est à la gare d'Avignon. Donc on va voir combien de temps ça va durer. Bon, après 3h30 de train, une évacuation à Avignon et près d'une heure de métro, on arrive enfin pas loin de l'hôtel, à Paris. On va pouvoir se reposer un peu.